Zepikai. Eh oui, 19h, c'est l'heure du nouveau numéro de The Big Gamowski. Qu'est-ce qu'on se mange aujourd'hui? Ben, vous me connaissez, c'est de la boulette. Donc, je vous ai préparé un petit shooter de 1995 qui s'appelle Varia Metal. Vous allez voir quand même que c'est assez étrange parce que 1995, je vous ai fait voir quelques streams avec des shooters assez réussis. Vous avez une idée? Regardez le stream précédent. Vous voyez à peu près le niveau. Maintenant, regardez bien ce que vous avez sur l'écran. Voilà, il y a comme une sorte d'anachronisme. Alors, je pense que Varia Metal est probablement un projet qui avait démarré à un certain moment et qui a demandé beaucoup, beaucoup de temps. Là, il est très étrange ce sceptre et sa forme. J'avais pas fait gaffe. Enfin bon. Et donc, il se trouve que ce projet a sûrement été démarré longtemps avant sa date de réalisation et de finalisation, ce qui peut expliquer en fait qu'il a des graphismes totalement anachroniques, puisqu'on est en plein mode 8-16 bits, là où les autres sont en mode 16-32 bits. Alors, on va le vérifier en jouant un peu. Je vais juste baisser un poil le son du jeu, parce que je sens qu'il va vous manger la tête et j'ai pas envie de hurler. Voilà, qui est parfait et on y retourne comme des vrais. Pile au bon moment. Tiens, qu'on avait failli rater ça, les arranges. Bon, je crois qu'après cette intro totalement faramineuse, nous n'y tenons plus. Oui, il faudra bien 12 crédits pour arriver à la fin de ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la grosse zik, c'est ça qui est marrant. Parce que si on compare la qualité sonore, oula, oulala, avec ce qu'on a à l'écran, vous ne pouvez que confirmer ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, ce jeu est un poil 5, à voire même 10 ans en retard sur les générations du moment en 1995, quoi. Alors, c'est pas moche, c'est pas moche, mais sérieux, les gars, les shooters en 16 couleurs, quoi, 32 couleurs. En 95, non, il n'y a plus. Alors, je vais quand même en profiter pour expliquer le titre du jeu, Varia Metal. C'est parce que votre vaisseau peut changer à volonté de forme. Ça ou ça. D'accord? Et chaque forme a ses propres augmentations. C'est ce que j'ai compris du truc. Enfin, ceci dit, j'ai l'impression de jouer sur une vieille NEC plus qu'une borne d'arcade. Moi, en 95, je croisais cette borne d'arcade, j'avais juste envie de rigoler. Et puis, de toute manière, je la voyais même pas au milieu des autres qui, elles, faisaient moderne. On sent qu'on a du gros pattern aussi. C'est-à-dire le truc qu'on ne voit pas arriver à 10 km, mais à 50 plutôt. Qu'est-ce que j'ai pas essayé? La super bombe, peut-être. On va se la garder pour un moment opportun, parce que là je pense que je peux parler en même temps. Je peux vous faire des récits sur la physique quantique en même temps s'il faut. On n'est pas en mode, comment dire, stress. Non, du stress, bah, j'aurais dû brancher un électrocardiogramme. Je crois que là, mon cœur doit être à 24 de BPM, quoi. Comment ça, j'exagère toujours? Non, pas du tout, il est en 24, je vous jure. C'est 2 fois son rythme habituel. Je confonds peut-être avec un autre truc. Ah non, peut-être la respiration. Alors, autant la BO, elle est pas mal réussie hein, par rapport à. Bah, j'essaie de trouver des trucs positifs, moi. Par rapport à toutes les choses qu'on a pu voir. Mais. Je crois que les bruitages sont trop trop bien, quoi.
Comment ça, c'est encore du cynisme? Non, non, je suis super sérieux là. Oh yeah, je m'éclate. Je crois qu'on va le one credit, hein, direct. Parce que, comment dire? Voilà. Tout est dit. Bah, tout est montré. Je vais changer de forme pour la classe. Ah, il est trop bien. Hey, regarde ça. Tu pouvais pas le faire avant. Et en plus, regarde, tu as sorti au vaisseau ennemi. Attends, je me change. Attends, je me change. J'ai mes clés qui me... Oui, encore l'excuse des clés, je sais. Mais elle marche tellement bien. Ça serait dommage de pas s'en servir. La transformation. J'ai toujours pas essayé ma bombe, il me semble. Si tant est qu'il y ait une bombe. En fait, je vais essayer. Oui, il y a une bombe. Et puis elle est pas commode, apparemment. Peut-être que ça aurait été mieux qu'il n'y ait pas de bombe dans ce jeu pour le rendre un petit peu plus corsé. Alors. Si le début d'idée de dire que j'ai déjà touché ce jeu vous traverse la tête, débarrassez-vous-en. Hein, je lance ce jeu pour la première fois. Mais n'allez pas me dire que j'ai été surpris par quoi que ce soit jusqu'à maintenant, quoi. Donc je vais reprendre cet exemple où je vais parler de la physique quantique. Parce que Norman Freeman le fait bien, alors pourquoi pas moi? Parce que j'ai toujours du mal à regarder des documentaires scientifiques où c'est Norman Freeman qui vient expliquer un truc parce que j'ai du mal à pas rigoler, quoi. Ce mec-là est à la science, ce que le propergol est au véhicule électrique. Voilà. Ah oui, non, mais je vous ai fait une réponse nerd. Ça fait du bien hein, quand ça s'arrête de tirer aussi, hein. Ah, je crois que j'ai un truc qui clignote, ça doit être chargé à fond. Mais qu'est-ce donc? Aucune idée. Ça doit être en train de charger les ennemis là. Ou alors il les appelle. Les ennemis! Hey, mais si tu tires pas, t'as un méga tir en fait. Il est là le truc. Mais moi je m'en fous, moi je suis un fou. Regarde, je suis un fou, regarde. Regarde. Hey, monsieur Crocodile! Oui, ça rappellera des souvenirs aux fans de No Life, ça va être rigolo. Voilà, je vais faire Régis Robert qui joue à un chemin. Alors là, oh mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors faut que je me rappelle ces intonations à la con parce que c'est pas évident de faire quand même la personne qui a certains désavantages comportementaux. Je réfléchis à ça et pour le prochain tableau, c'est Régis Robert qui vous fait le stream. Pourvu que je me fasse pas croquer la quille par Monsieur Crocodile. On en est qu'au stage 2. Non mais sérieux. Ah, j'aurais dû faire du stop. Attends, je donne le vaisseau à quelqu'un d'autre, c'est un autre qui va conduire. Moi je sais pas, j'ai un truc à faire là. J'y vais. Attends, mais t'as voulu me feinter toi? Un piou piou piou, un piou piou. Un motherfucker. Ah, c'est le jeu. On perd quand les gars? Les gars! Parce que je suis pas super bon gamer, donc l'un dans l'autre, l'un sur l'autre, l'un à travers l'autre même si vous voulez. Voilà. Alors ça c'est les. Non, je vais pas faire Régis Robert, parce que j'arriverai pas à ne pas pouffer de rire de ma propre connerie, et si donc je n'y arriverai pas. Et un jour promis, je vous fais un stream Régis Robert, intégralement dédié à ça. Pour les 1 an de la mort de No Life, par exemple, je sais pas. On se fera ça. Ou alors mieux, David viendra faire Régis Robert dans un stream. C'est pas interdit, hein, David. Si tu veux venir faire Régis Robert sur un shmup, je te trouve en plus un shmup terrible. À moins que tu aies déjà une idée. C'est welcome, c'est open. De la passion, du suspense et du skill. C'est le stream de... Comment il s'appelle ce jeu déjà? J'ai paumé son nom du coup.
Opération Pantoufle, je vais l'appeler. Opération Pantoufle. Le shoot qui va vous. Varia Metal, ça y est, c'est revenu. Non, mais j'ai toujours cette appréhension d'avoir un Alzheimer précoce. Je le dis à chaque trim? Ah bon, je sais pas souvenir. Et monsieur, fais-moi comme tout à l'heure, charge ma bombe, là, c'est trop beau. Vas-y, vas-y. Allez, viens. Bah, viens. Et le chou, vas-y. Fais pas ton barbare. Oui, j'essaye d'être menaçant avec ce Jean Bonneau de l'espace. Je sais pas comment appeler ça. C'est moche. Bah oui, mais boum, quoi. C'est quoi ma hitbox? Le leech, ça compte? Bon, on va pas y aller par quatre chemins. Vous voyez exactement ce que c'est un chemin raté, quoi. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Non, je ne vais pas tirer. Je ne vais pas tirer. Je pose juste la question, qu'est-ce qu'on fait? Eh oui. Donc, quand tu fais un shmup, mec, c'est bien de prendre des recettes mathématiques basiques qui sont tous basées sur des nombres pairs. Mais il y a un moment. Ah putain. Il a quand même pensé à faire, tiens, peut-être je vais avoir des bugs dans mon programme. Faudra un truc qui reset un peu. Allez, à nous. Je suis chaud là, je suis chaud comme la braise. Oh le coquinou. Regardez-moi ça. Pouh, il y avait du gros pattern là. Mais bon, donc voilà, on a un titre qui est quand même raté, hein, faut dire ce qui est. Alors, sortir 195, c'est moche, c'est archaïque niveau gameplay. Et puis excusez-moi, mais celui-là, je le conseillerais pour un public. Si je devais mettre un code PEGI, ça serait 3 ans, mais pas plus, quoi. Je suis super méchant. Mais sérieux, dites-moi pas qu'il a pas cherché ce jeu, quoi. On est où là? À la limite, je regrette qu'il soit pas injouable de difficulté, quoi. Ça aurait été formidable. Ça l'aurait peut-être sauvé un peu. Mais là, ouais, non, ça, c'est poubelle, ça. Il ne va pas au grenier. On n'en a rien à foutre de sa gueule. On ne veut même pas savoir qu'il existait, ce jeu. Il va aller chez Mémé. Ou alors on le donnera, je sais pas, à l'UNICEF. Non, c'est trop dégueulasse. On peut pas donner ça à l'UNICEF. C'est pas possible. Mais bon, voilà, c'est ici. Un coup de méga bombe, tiens. Mais même la méga bombe, elle fait rire au lieu d'impressionner. Il y a vraiment un problème quand même. Hey, regarde, gros croiseur. Tu vas te prendre ma méga bombe. Attends, mon rayon d'abord. Il a peut-être été programmé par Guy Dre, ce jeu, je sais pas. En plus, le bruitage, comme tu dis. Oui, si tu déconnes pas, on a deux bruitages, alors tu amortis un peu le truc. On va arrêter le massacre ici. Oh putain. Et donc, sur un très mauvais jeu, j'arrive à faire 13 minutes, c'est extraordinaire. Je suis très content. Vous devriez applaudir la performance parce que j'ai un peu de mérite pour ça. Non, 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 je ne touche rien. Parce que si je touche le moindre bouton, ça risque de repartir. Je pose la manette. Regardez, je vais même enlever l'écran que je puisse rigoler avec vous pour la fin de ce stream tranquillement. Parce que ce jeu m'a tué ER. Donc, notez bien le nom, Varia Metal. Si qui que ce soit commence à ouvrir la bouche et en parler, vous faites demi-tour et vous courez. Ne cherchez pas. Ce jeu est autant amusant que de s'amuser à compter les grains de sable sur la plage, quoi. Donc, moi, pour ma part, je m'y foutais. Je sais pas, j'arrive pas à arrêter de rigoler parce que c'est quand même la première fois que je tombe sur ce genre de truc. Et on s'est fait quand même bien 150-200 chemins, les gars. Donc, ouais, brûlez ce jeu. On se retrouve demain à 19h. Si vous savez pas quoi regarder ensuite, je vous propose ça. C'est le canal généraliste où il y a pas mal de news, de reviews complètes de jeux. Ou alors le canal Shmup direct si vous êtes à fond boulette. À demain à 19h, des bisous. Et arrêtez de rigoler aussi. Elle est bien cette musique. Ouais, c'est un shmup, mais il n'y a que la musique.